Sénégal est un pays assez particulier en raison d'abord de sa position géographique qui fait que c'est un pays de rencontre de civilisations, mais aussi de l'ancienneté que ces populations ont en termes de contact avec le monde extérieur. Je pense que le Sénégal est un pays, d'abord, qui se caractérise par l'ancienneté de l'islam. Et s'il y a un pays où on pratique vraiment, c'est bien le Sénégal. Parfois même, ça prend une allure tout à fait ostentatoire et ça peut être critiqué par beaucoup. Mais je crois que la sincérité du Sénégal et dans sa pratique religieuse, personne n'en doute. Et le Ramadan est à la fois un mois sacré de pratiques religieuses, mais un mois aussi d'une grande sociabilité. Et c'est à la fois la tradition religieuse, mais avec une touche de sénégalité qu'on retrouve dans le mois béni du Ramadan.
suma jullé ba paré dem jël sama car bi may wara yobu fumay liggéey liggéey man nak ma ngi liggéey bërepp buñ nane hôtel al afifa man sama relation avec relation extérieure bon mën na ni man may représenter may ambassadeur hôtel bi vis-à-vis des gens yi xamanteni ñoo ngi nekk à l'étranger mayor communication donc sama liggéey dal vraiment nekk na liggéey boo xam ni liggéey communication la et ma ci sant yàlla depuis 27 ans maa ngi ci. Bonjour, ça va bien Kati? Ça va bien? Ça marche? Oui, ne quittez pas avec le fournisseur. Merci. Ok, bien. Koor bi du may dem marché chaque jour damay dem ndugg 10 jours ci 10 jours damay dem njëkk marché poisson ma jënd jën may jënd jën après ma waas ko ma dëgg après ma ñëw ma def ci ay mbuus ay sachet ma def ci frigo bi. De Ramadan, la demande est plus forte que l'offre. Parce que vous savez, ici au Sénégal, les Sénégalais, ils consomment beaucoup le riz au poisson. Et donc, c'est une période où les gens, quand ils ont jeûné, et quand ils coupent le crêpe, ils préfèrent manger du kéboudien. Et dans ce cas, il faut un bon poisson. Le Sénégal est un pays où les Wolofs constituent 40%, sinon plus de 40% de la population. Ensuite, on aura l'ethnie sérère, d'où est venu le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, qui tourne autour de 17%. Les premiers islamisés, les Halpoulars, font à peu près 10% de la population. Et le reste de la population est divisé entre les ethnies du sud, comme les Djola, les Balantes, les Mandingues. On a aussi les Soninké, qui constituent un groupe très important. Ce qui rend aussi les choses beaucoup plus faciles, c'est cette unification à partir de l'islam. Aujourd'hui, plus de 94% de la population sont des musulmans, mais aussi à partir du Wolof, parce que presque tout le monde comprend le Wolof. Et on peut communiquer à partir d'une langue, ce qui fait encore une certaine originalité du Sénégal. Ah, il m'a dit pas de l'air.
On a attrapé une dizaine de boîtes, mais c'est dur parce que la mer, il n'y a rien en ce moment. Il n'y en a rien en la mer. Tu passes la journée, tu fais presque 6 heures, 7 heures de temps. 4 personnes vont attraper que ça. Il n'y a pas grand chose. Ici, les préoccupent le matin à 6 heures du matin. Ils reviennent le soir, ils viennent plus tardif, plus tôt que par rapport au mois du Ramadan. S'il s'agit du mois de Ramadan, ils viennent au maximum vers 18 heures. Maxi 18 heures. Et les vendeurs de poissons locaux ont eu toujours des problèmes avec pour les petits poissons. Parce qu'il y a toujours les grands poissons qui se coûtent cher. Ouais. Le mois de Ramadan, les gens préfèrent acheter les gros poissons. À partir de 7 heures, à partir de 18h30, le marché est rompu. Et s'il ne s'agit pas du mois de Ramadan, on peut rester ici jusqu'à 8h du matin, 8h du soir, 9h. Il y a deux façons d'acheter. Il y a les gens qui achètent le poisson local, ceux qui ne se vendent pas ici par terre. C'est pour ce qu'on consomme ici. Et il y a les poissons qu'on amène en France, en Italie, en Grèce, en Turquie, même au Liban. C'est du poisson qui est acheté en haut par des usines qui ont envoyé des gens qui sont venus sur la plage pour acheter ces poissons. Et les prix sont trop élevés aussi. Très élevé. Et le rascasse, le kilo coûte 5500 francs. Voici le poisson que je disais là, le rascasse. Le kilo coûte 5500 actuel. Le kilo, ça coûte 5500 francs. Il y a aussi le sable marron. Attends, je vais vous le montrer. Voici le sable marron. C'est un poids qui est importé. Actuellement, le kilo coûte 1500. Non, l'île de Gorée est une terre importante parce qu'il y a un devoir de mémoire par rapport à tout ce qui s'est fait dans l'histoire. L'île de Gorée est un symbole, justement, de ce commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Le nom Gorée, ça veut dire « good reed » en hollandais, qui signifie « une bonne rade » pour pouvoir, disons, se ravitailler en eau, en nourriture avant de partir. Et à partir de ce moment, certains historiens estiment que ce n'était pas un lieu où on pouvait, disons, mettre trop d'esclaves. D'autres estimaient que beaucoup d'esclaves ont transité à partir de l'île de Gorée. La controverse continue. Mais n'oublions pas aussi que quelqu'un comme le pape Jean-Paul II, c'est à partir de l'île de Gorée qu'il est venu demander pardon pour la traite négrière quand il était au moment de son pontificat. Mais ce qui est sûr et certain, c'est une terre en tout cas que nous devons utiliser pour rappeler à l'humanité que la traite négrière est un crime contre l'humanité et que l'esclavage, que les Africains ont payé un tribut très lourd pour ce qui concerne la traite et l'esclavage, mais en même temps aussi en faire une terre de réconciliation avec le reste du monde. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir l'île de Gorée aujourd'hui. C'est un marché qui est un peu différent des autres marchés de la ville de Dakar. C'est un marché, d'ailleurs certains disent que c'est un marché de bourgeois. Et le mois de Ramadan aussi, les gens y viennent, mais il n'y a pas d'heure. Il y a ceux qui viennent tôt le matin, les autres ils peuvent attendre jusqu'à 14h ou 15h pour rentrer dans ce marché. Les prix aussi, ça dépend.
au mois de Ramadan, les prix, beaucoup de gens se disent que les prix augmentent, mais peut-être c'est des marchandises qui sont importées. Et ça, ce n'est pas la volonté des vendeurs. Ça, c'est, ça vient du fiscalité, des taxes douanières. Et cette augmentation aussi, c'est dû peut-être au mois de Ramadan. Parce que le mois de Ramadan, vous savez, le commerce active. Vous savez, on est en plein capital. Presque, on voit qu'il y a les députés, les grands messieurs, les directeurs de services, et même des fois, tous les services sont regroupés aux alentours de Kermel. Donc, tu peux même venir à ton service et tu penses à Kermel, tu viens à Kermel, tu fais tes achats. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients. C'est à partir du Sénégal, surtout de Dakar, que les Français avaient créé l'IFAN, Institut Français d'Afrique Noire, comme ils ont créé les IFAO partout, les centres de recherche. Et c'est à partir de Dakar et de l'IFAN qu'ils ont voulu avoir une meilleure connaissance de l'Afrique. C'est à partir de Dakar qu'ils ont fait beaucoup de recherches. Et quand des gens comme Moni ou Théodore Mono, les anciens fondateurs de l'IFAN, allaient sur le terrain faire des recherches, ils revenaient avec des objets, ils revenaient avec des films, ils revenaient avec un certain nombre de matériaux. Ce matériau, ils l'utilisaient pour faire d'abord alimenter les sujets de recherche, mais le matériel, si vous voulez, ce qui relevait du matériel en termes d'art, d'archéologie, ils ont créé un musée.
Et ce musée, qu'on appelle Musée d'art africain, c'est un musée à la fois historique, mais surtout ethnologique. Il ne reste plus beaucoup d'anciens combattants. Et la statue que vous voyez, qui est statue d'Emba Dupont pour célébrer la fraternité d'armes entre les tirailleurs et leurs collègues français, cette statue, à un moment donné, c'était une revendication. On a enlevé cette statue parce que les gens ont estimé qu'il fallait enlever d'Emba et Dupont, ça rappelait une histoire qui était révolue, etc. Mais on l'a remis là-bas, à cette place, pour, disons, parce qu'on estime c'est pas normal de tourner cette page de l'histoire, mais il faut toujours rappeler à la France le rôle que les Africains ont joué pour la libération de la France, surtout lors des deux guerres mondiales. Et le plus important dans cette affaire, c'est que les tirailleurs sénégalais, les anciens combattants, soient rétribués de la même manière que leurs collègues qui sont restés dans l'ancienne métropole. Le Sénégal tel que vous le connaissez aujourd'hui, c'est la création de l'entreprise coloniale. Sinon, le Sénégal n'existait pas avant. Vous voyez dans l'architecture moderne, effectivement, ce qui nous reste de l'architecture moderne, c'est plus une tradition coloniale qu'une tradition liée à la culture sénégalaise ou africaine en général. Malgré cette façade de modernité, le Sénégalais est très ancré dans ses traditions.
djuma bu jot dañuy sol suñu yéré wéx ñam fi jël japp ndax ci wér koor lañu nek. L'islam a joué un rôle inclusif, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître, si le Sénégal ne connaît pas les problèmes d'ethnicité que nous connaissons ailleurs, c'est parce qu'aussi il y a une identité commune à partir de l'islam. Ça, je crois que c'est l'aspect le plus positif vraiment de l'islamisation. Il y a cet aspect, il y a aussi une langue sur laquelle les Sénégalais se sont appuyés pour l'intégration, c'est la langue Wolof. D'ailleurs, les colonisateurs, en voulant pénétrer le reste du Sénégal, s'est toujours appuyé sur le Wolof. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, on parle d'une culture islamo-wolof à propos du Sénégal. Qu'aujourd'hui, l'identité sénégalaise, c'est une identité où l'islam occupe une place extrêmement importante. D'ailleurs, c'est cet islam confrérique qui se situe sur les structures, qui renvoie aux structures traditionnelles, parce que c'était une société aussi où la fonction de la classe d'âge jouait un rôle extrêmement important, où les gens ont pu s'appuyer sur le mode d'organisation traditionnel pour penser la zawiya, pour penser les daïras ou associations religieuses, pour penser toutes les formes, si vous voulez, de sociabilité liées à la religion. Je crois qu'il y a une force d'adaptation de l'islam extraordinaire au Sénégal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dinañ koy def fi ci kanamu juma bi ci bes bu nek. Mais dañu adawo besu aljuma bu nek. Si on a eu le pari, on a eu comme nous l'avons fait, on a eu le temps de faire un peu. On a eu le temps de faire Il y a, à mon avis, un nombre extrêmement important. Les tijanes qui nous viennent du nord, la tijania, mais la plus ancienne c'est la khadria qui vient de Tombouctou depuis le 18e siècle, mais représente une minorité. Mais parmi les khadres, on a les maures, parce que n'oubliez pas aussi que l'intégration maure au Sénégal est une donnée essentielle. Mais après, on a les mourites qui sont implantés surtout en milieu rural, mais qui sont très dynamiques sur le plan économique et bien organisés, bien structurés. Et on les retrouve surtout dans l'immigration aujourd'hui et le secteur informel.
bama ñëwé ma raxasat sama jën bam set après ma dëbb sama roof ma roof jën yi après ma ubi gaz bi def sama dëwlin bay bu mu ñor ma tib tomate ma def ci ndox xoyel ko ak soble ma jël yeet bi ma sanni après ma def tomate bi ma baye ba mu dopp après ma ñuru ko so ñuru ge ma wañ sama gaz bu mu bax ma def sama jën def sama bisaab suma toge ba ay 15 une heure de temps ba ma xamni legi sama yépp mi ngi ñor ma tolli dawlin ci kaw après ma tay ciéb bi ci kaw suma tay ciéb bi après ma tégi indi bi ma wañi gaz touti ba 5 minutes après ma def sama jumbo sama nokas après ma séppi jin ben par ben sépp carotte bi navé basante yépp ma séppi ko mu sét ma dolli wat tout tomate parce que ciéb bi da fay dafa wéx so defal tomate da fay mëna yak sa ciéb mëna nga sour ko mu wéx après ma dolli tomate xaar touti 5 minutes mo xamni baxna ma sour ma wañi gaz touti ma togi ma 10 minutes wala 15 ma wul boti small boti après ma gëna wañi gaz ma togal 10 minutes dama togg wéru ko dama togg ciébu jeun kessé lé ma togg ciébu yapp ganar lé lé ma togg yaasa ganar wala yaasa jeun wala ci wutir wala soup kanjé wala mafé du ciébu jeun kessé parce que wéru koor bi yépp amna togg yu recette yo xamné mën ko togg toujours. Quand on prend une ville comme Saint-Louis du Sénégal, qui est très proche d'ailleurs de Fès, il y a une relation parce que les premiers Marocains venus de Fès qui se sont installés à Saint-Louis constituent une bonne communauté marocaine. مقيم أنا في السنغال لمدة 15 سنة والحمد لله إحنا كمغاربة هنا في السنغال عندنا يعني بالأخص في شهر رمضان نقوم بجميع الطقوس كما نقوم في المغرب. علاقتنا هنايا مع اخوان السنغاليين على العموم علاقه طيبه الحمد لله مع جميع افراد يعني السنغاليين ما في يعني اي مشكل. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. نصلي معهم في المساجد الصلوات الخمس حتى هذا من فضل الله يعني انا في احد المساجد هنا تسمى الزاويه يعني بعض المرات يعني كثير من المرات هم يطلبوننا حتى ان نؤم بهم هذا من فضل الله نقوم بامامتهم لان علاقتنا بهم وطيده الحمد لله هذا من فضل الله وهم يحبوننا ونحن نحبهم ما ليس بيننا فرق. Sénégal bi goudou togg jiir moy yewu suba tel dem marché togg goor mom moy dem wuti paris dépense mu jox la na dem togg même marché yep marché poisson marché kerne goudou togg amna goor ñu xam nak mën nañu wat liggéey dem dind poisson dind lejum mu jox sen débal ñu togg mais fi Sénégal goudou togg jigen moy togg jigen togg bam baax jox jëkkeur mais budé wuti. Thank you.
une des caractéristiques du Sénégal, c'est-à-dire la cohabitation entre les différentes religions, la tolérance religieuse, le dialogue des religions. Vous savez, Senghor était un chrétien appuyé par les différents chefs religieux. D'ailleurs, c'est ce qui explique peut-être la force des confréries religieuses aussi au Sénégal. Et lui aussi, il rendait très bien cela aux chefs religieux en leur donnant les possibilités d'être de véritables chefs. Ils avaient l'appui de l'État. Attention, ça va courir la partie, donc la ligne de Saint-Louis qui remporte la Souvent ça s'affiche pas. Il n'a pas. Si on met l'improgramme en jeu, c'est pas bon. D'abord, on a Ramadan au Sénégal, Muqaddas, Janib al-Qadasa, yataghallabu fi min. أي بلد آخر يعني في العالم العربي حيث أن العالم العربي نجد أن الجانب الترفيهي قد يطغى فيه في حين نكثف من الدينيات عندنا مثلا من السادسة إلى السابعة موضوع عن الدين ولكنه كان موجود أيضا خارج رمضان ولكن نكثف فيه لأن في ذلك الوقت وقت السحر يستيقظ أغلبية المواطنون ويستمعون إلى هذا البرنامج إذن يجب إعداده إعدادا آخر وفي مثلا المساء عند الإفطار حيث أن الاهتمام وكل شيء يدور حول الدين يجب الاهتمام بالابتهالات بالأشياء الروحية لأن الإنسان كأنه خرج من الجسد من جسده وأصبح روحانيا أكثر لذلك الجمعة تجد أن الإذاعة والبرامج كلها متدينة إضافة إلى طبعا برامج الأخبار وفي الأيام الأخرى الأحد أو السبت تجدها يعني ترفاهية أو غير ذلك والفجر طبعا هي آية قرآنية كما هو معروف واخترناها لأننا بحثنا عن ما يعبر عما نريده نحن نريد لإفريقيا المتخلفة لإفريقيا التي تعيش في القرون الوسطى نريد لها فجرا جديد هذا الفجر الفلسفي الذي تحدث عنه الفلاسفة في أوروبا في غيرها نحن نتحدث عنها أيضا ثقافيا من خلال الإسلام من خلال ما نعيشه واقعنا الثقافي فوجدنا أن وجود القسم واو القسم والفجر كأنه يقول الفجر آت لا محالة
Et si nous avons des gens qui ont des café, mais café au lait. Si nous faisons café au lait, nous faisons des tendres. Après, nous faisons des café au lait. Les gens qui ont des café au lait, après, nous faisons 5 minutes. Après, nous faisons des timis. Si nous faisons des timis, après, nous faisons des timis. Nous faisons des timis. Nous faisons des timis. Après, nous faisons des timis. Nous faisons des timis. Après, nous faisons des timis. Ko defé nak djuma bi waxtu nafila dina fess biti ba ci talibi biti waxtu julli itam li nga xamné mo waxtu djuroom itam yak ji dina fess muy suba tisbar takusan timis ak geew timis ji dina lay gëna neew ndax nit ñi dañu dogu waye geewé gi ci la nafila bi mais fa tabarakallahu dina fess del ba ken do am fo top. Concernant le Ramadan, le Sénégal fonk nañ wéru koor ñu ñaan yalla luñ fi ñaan yalla yalla nanguko ñen nangul ñuko. Alors technicien statistique monsieur Khima yoonu ñub vraiment ñu ngi sante yalla lu bari di jullu ci sayyidina Muhammad sallalahu alayhi wasallam bi nga xamanteni tay l'islam bi ci mom la jaar parce que yoonent bi sallalahu alayhi wasallam bu ñu won dédd dara metti mais lepp lo xamne rek yalla tégon nak momet nangu nak waaw nangu nak ba tay ji mom xamone na ni ëlëk dina am ño xamanteni par exemple dañ ko gëmi ño xamni sax gisunu ko bokonté won ak mom jamono muy ñan rawatina wa Sénégal. Tamit fii aussi wéru koor Sénégalais yi dañu jàppalante aussi mel na man par exemple awma doole mais lépp loo xam ne mën naa ko ci sama njaboot ak sama ay mbokk ak képp ku yaakaar yàlla yaakaar ma lu ma ci mën danaa ko def parce que wéru koor wéru yërmande la ci la alxuraan wàcc
Donc, nous avons dit que nous parce que y a le monde vers le haut, si nous avons mal là. Quand on est diaplante, de dimolent, de galanter le bar, c'est son moment de négocier le nain, le non, gawoko rectifier. Vers quoi le dalle bon, des nous que nous ne paisiblement dalle, des nian yalla, l'un si nian aussi yalla nango. Je crois que c'est un pays musulman, démocratique, qui gère de façon excellente ses traditions et ses apports. La seule chose qu'il faudra éviter, de mon point de vue, et j'en parle assez souvent dans les médias sénégalais, c'est d'éviter que ce qui fait la force du Sénégal ne soit pas utilisé contre ce même Sénégal, c'est-à-dire l'instrumentalisation du religieux. Il faut que les politiques évitent autant que faire se peut d'instrumentaliser le religieux pour le bien de tout le monde. Si on arrive à continuer à garder l'équilibre entre les différentes confessions religieuses, entre les différentes confréries, surtout religieuses, je crois que le Sénégal continuera en tout cas de jouir d'un modèle très tolérant, à la fois où les gens vivent leur religion sans complexe, aiment leur religion, mais aussi un modèle où on pourra aussi vivre une certaine manière de démocratie, une certaine forme de démocratie, tout en étant bien ancré dans nos traditions religieuses. Bon, ça revient à moi تقريباً 7 سنوات وجدي أنا بالأساس إجا لهون بال 1924. رمضان مش نفس الطريقة ونفس العادات ونفس التقاليد بس بنحاول قد ما فينا يعني نقوم ونقضي كما يجب الحمد لله عايشين ومرتاحين بالبلد علاقتنا كتير منيحة وجيدة يعني أكتر شيء يعني تقاليدنا مش نفس التقاليد بس إنه هون يعني علاقات عمل فيها أصدقاء كتير عنا بس إنه محدودة يعني علاقتنا معهم أكتر شيء علاقة عملية في الأكلة في تشيبو جان تشيبو جينار تشيبو ياب تشيبو ياسا ودي أكلات معروفة يعني على الصعيد السنغالي حتى كل الأجانب والسواح بيجوا يعني أكلات يعني معتمدين في المطاعم اللبنانية والمطاعم الأجنبية حتى بالأول كان في تأثير يعني على الجالية اللبنانية بس اليوم موجودين في مدارس وفي كلهم بيتعلموا اللغة العربية والثقافة طبعا نفس ثقافتنا في حركات ثقافية كتير موجودة هون عربية الإفطار نفس الشيء مثل لبنان يعني لازم الشوربة والفتوش والتبولي والبطاطا والأكلات الرئيسية دائما تكون موجودة على السفرة هيدي يعني ما إلنا غنى عنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين الخالي أكيم إنك كلام من المرسلين على صراط المستقيم تنزيل الأسرائيم لتنذرهم ونذر آبائهم غافلون لقد أخذ Thank you.